Mais t'as couru avec Pantani, toi, encore. Ah, bien sûr, c'est mon âge. Là, c'est le pot de jeu, là. Tanti mi dicono, ma sei pazzo a correre ancora a questa età? È normale, cioè è normale che invecchiare è fisiologico, e anzi me lo sento dire tante volte quando sono alle gare, di sentirmi chiamare il vecchio del plotone, diciamo. Invecchiare non mi fa paura, ma è un motivo anche di, comunque di orgoglio, ecco, di poter continuare la mia passione che avevo da bambino, continuarla fino all'ultimo. Pour toute la belle carrière. C'est exceptionnel dans le cyclisme. Et je suis un vieux cycliste. Ah ouais. Pour ce que tu fais, chapeau. Hein. Merci beaucoup. Parce que je sais que ça ne se fait pas tout seul. Et tu t'entraînes encore comme, ah oui, comme avant. Sinon, ouais. Bonne chance encore. Hein. Continue. Quel âge tu as, 49 47, 48 cette année. Ça va. Ouais. Jusqu'à 53, 54, on a de la force. Après, ça baisse. Bonne journée. Hein. Vedo anche alle gare che c'è molto, molto interesse, perché dicono che okay, vedono tanti giovani, tanti ragazzini, però vedono anche lì un quasi cinquantenne che è ancora lì a correre, e questo vedo che porta molta ammirazione da parte dei tifosi, del pubblico, della gente che segue un po' il ciclismo, ecco. Quattro vainqueurs de la Flèche Wallonne, Laurent de Liège-Bastogne-Liège, Laurent de la Classique de Saint-Sébastien, de Paris-Nice, de Tirreno-Adriatico, Bagnoloso Giro, et on est plus fort encore. Merci Eric, merci Davide. Io principalmente corro ancora perché sento che posso ancora ottenere dei risultati, prendermi ancora delle belle soddisfazioni, ecco. Però in un certo senso anche posso trasmettere questo messaggio che si possono fare grandi cose, belle cose anche ad una certa età, ecco, grazie all'esperienza e curando bene certi particolari che appunto è l'alimentazione, il riposo, l'allenamento e tante cose, ecco. E un po' la porta alla, sì, la, diciamo, saggezza, ecco, perché chi è saggio normalmente sa quello che ha bisogno lui stesso di poter fare, ecco, per poter rendere al meglio. واش واش تحكي لنا؟ ها؟ واش تحكي لنا؟ شوية اي روح لقدام اي برك اي طري بيان راك مليح علي سعيدي Je connais 90, 91. J'étais coureur avec l'équipe nationale d'Algérie. Quand il a gagné les Jeux méditerranéens, 91 à Athènes, il avait 20 ans à peine. Il était déjà un grand champion. Je l'ai invité à passer une semaine chez moi en Algérie. Et après l'entraînement, il avait un petit coin là-bas, un petit salon intime, juste pour lui. Et il écrit ce qu'il a fait toute la journée. Il y avait un agenda de lui, qu'est-ce qu'il fait toute la journée. Il consacre toute sa vie pour ce sport, ce qui demande le cyclisme. Vraiment, pour moi c'est un ange. Les découvertes dans une poignée de secondes et la victoire pour l'équipe Trek-Segafredo. Et nous avons là l'arrivée donc de Davide Rebellin, 47 printemps et il termine 32e de l'étape. Bravo donc à Davide Rebellin. Donc... Ah, comment il est perçu? Il est un peu oublié sur le fond. C'est un coureur qui est dans une
une longue course personnelle, une sorte de fuite. Enfin, je le vois un peu comme ça. Hein. C'était, je crois qu'il mène une cause personnelle. C'est quelque chose, c'est un combat. C'est une course qu'il mène contre lui-même et plus du tout avec les autres. Je ne crois pas qu'il soit dans le même peloton que Nibali, que tous ces gens qui sont avec lui. Je crois que lui, il est dans une course solitaire. Il est sur des routes où les autres ne vont pas. C'est sa propre route. Je ne sais pas si on peut l'assimiler aux autres. Moi, je ne vois rien de pathétique là-dedans. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Je crois qu'il continuera à faire du vélo toute sa vie. Que peut-être sur le vélo, sur le fond, seul sur son vélo, c'est là où il se sent le mieux. Il se sent mieux là que parmi les hommes. Je pense ça. Hein. C'est l'impression qu'il me donne. D'ailleurs, sa timidité, de cette même nature, c'est-à-dire être interviewé le déroute. Il est étonné qu'on l'interroge. Il est étonné que il n'arrive pas à croire que ce qu'il va dire puisse intéresser les autres. Enfin, il y a tout ça chez lui. David, s'il vous plaît. Ça gêne. Non. L'autre, il va gêner. Et ouais, bah, merci beaucoup. Merci. Bon, allez, prends pas froid là. Non, ça va. Allez, bis à demain. Quel champion de son niveau arriverait à faire ce qu'il fait aujourd'hui? Quel champion qui a connu son niveau et les victoires qu'il a eues réussirait à faire ce qu'il fait aujourd'hui? Ça, c'est ça la question qu'on peut se poser. Et ils n'ont rien comme matériel par rapport aux autres équipes, mais bon, c'est pas comme diraient les anciens, là, on dit toujours que David c'est un ancien, c'est pas le matériel qui fait pédaler, hein. C'est pas ça qui va. Après, David, c'est quelqu'un qui a une part de mystère et qu'on cherche à découvrir aussi. C'est cette dualité entre cette fragilité hors vélo apparente et cette force aussi finalement qu'il a, cette force qui est obligatoire pour pouvoir continuer le vélo comme il continue dans ces conditions. Hein. On est toujours dans un milieu où il faut faire comme pensent les autres, mais ça c'est occulter sa propre liberté, sa liberté personnelle. David, ça lui plaît de faire du vélo, ça lui plaît de faire des compétitions. Il passe outre, c'est une preuve de grande intelligence au contraire. Il ne fait pas du vélo pour faire plaisir aux autres ou par rapport à ce que pensent les autres ou par rapport à combien de milliers d'euros il voudrait gagner. Il fait du vélo parce que ça lui plaît, ça a toujours été sa passion et qu'il considère qu'il a encore le niveau pour en faire. Et il se fait plaisir. Hein. Non, ben, ça va être en prise, ça va fatiguer tout ça, mais... Il ne m'a jamais raconté ses exploits, par exemple, ça pourrait être aussi une année. Il ne m'a jamais raconté ses exploits, comment il avait gagné telle course ou telle autre. Il me parle toujours des autres courses qui vont venir. Hein. Nous, on est toujours connus dans nos petites courses de clochers, les anciens combattants du vélo qui nous racontent leurs exploits. Hein. Mais David, il a gagné les monuments et il ne t'en parle jamais. Hein. C'est énorme, ça. Oui, moi, ça, oui, je le considère vraiment comme un sage. Un vieux sage. De donner pris en boîte de dattes, c'est combien? Un kilo. Un kilo, tout fini. Non, c'est pas vrai, il t'en restait 10 au moins. Normalement, il faut manger 10 dattes pendant la journée, je les mange 1 kilo. La vidéo, il m'a toujours dit, ceux qui mangent beaucoup, c'est qu'ils ont un gros moteur. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Ça doit être la raison. Mais en fait, il est devenu champion du monde espoir. À l'époque, c'était amateur. J'avais 1 an, il est passé pro, j'avais 2 ans. J'ai 28 ans et il est toujours là. Quoi. Tout est très, très souvent juste dans ce qu'il fait. Il y a des moments en cours, je me dis, mais il s'arrête pisser, je ne vais plus le revoir après 10 km. Et en fait, 3 km plus loin, il est de nouveau là. Quoi. Donc il a un sens de la course énorme. Oh, quel honneur! C'est parce que tu m'as pris l'évidence, monsieur. Physiquement, il est toujours présent, il n'est absolument pas ridicule. Ça fonctionne aujourd'hui. Ah, ça fonctionne. S'il est encore là à 47 ans, c'est qu'il a encore un rêve, à mon avis, quelque part, pour pouvoir finir sur une belle note et tirer sa révérence. À mon avis, c'est mon avis, ça. Il ne dit pas les choses, il faut essayer de les comprendre subtilement.
Il faut respecter quelqu'un comme ça. Et après, le 9h de demain matin. 10 minutes. C'est 10 minutes seulement, oui. Ok, bah, je vais vous faire même pour le 9h, ça va. Pour 9h ? Ho iniziato più o meno a 20 anni fa ad eliminare i glutine nella mia alimentazione, perché questo mi dava intolleranza e l'intolleranza mi portava ad sentirmi più gonfio, dei problemi anche intestinali, e quindi quando ho iniziato a togliere questo mi sentivo molto meglio, recuperavo meglio e alle gare mi portavo sempre con me la mia pasta, i miei alimenti. Erano tutti sorpresi perché non avevano mai visto portare un corridore che portasse la pasta da casa e se la faceva cucinare dai cuochi in cucina. Venivo visto, tutti quanti mi vedevano con il piatto e guardavano nel piatto cosa avevo, come avessi chissà cosa, ma in realtà era solo una pasta senza glutine. Ah oui, c'est mieux. Oui, c'est super que c'est notre carburant, disons. Oui, c'est vraiment fort. C'est féculent, quoi. Oui, c'est féculent, mais en plus, c'est intégral, c'est pas des soupes. C'est pas des soupes, c'est plus complet. C'est tous les jours ou c'est que quand il y a la compétition? Bah, presque tous les jours. Presque tous les jours? Ouais. Ah ouais. Bon appétit. Merci. La mia giornata tipo quando sono a casa, diciamo, e mi sveglio piuttosto presto, quindi normalmente verso le 6:30, 6:30, 7:00, e prima di colazione faccio qualche esercizio di stretching, diciamo un risveglio muscolare. Poi prendo la mia colazione, che normalmente è una buona colazione, abbondante. Poi l'uscita in bici, normalmente nel periodo estivo, verso le 9:00, 9:30, e la cena che comunque è piuttosto presto, perché ceniamo verso le 18:30, 18:30, un orario piuttosto presto, in modo da... e a letto, a volte anche alle 8:30 sono già a letto per leggere un po' o comunque per dormire, per dedicare molto più tempo al riposo, al sonno, lo curo ovviamente molto, molto più di prima, ecco. La bici mi permette di scoprire posti meravigliosi. In qualsiasi posto dove vado cerco di apprezzare, ammirare tutto quello che vedo, ecco, cosa che magari prima non facevo, davo per scontato, adesso invece apprezzo molto di più le luci, l'aria, il caldo, il freddo, un po' tutto quello che la natura ci offre, ecco. Anche durante l'allenamento mi piace anche fermarmi solo un attimo per respirare l'aria del posto, per veramente apprezzare quello che vedo, è questo, ecco, perché è veramente bello quello che si riesce a vedere pedalando e sentendolo anche, perché comunque è un modo, quando si pedala è un modo anche di sentire oltre che di vedere. Penso che sia importante ricavarsi i momenti nella giornata dove entrare in contatto con se stessi, quindi ho bisogno di essere anche solo, e preferisco la solitudine rispetto al gran casino, diciamo. Émouvant, hein, c'est un personnage qui inspire une certaine tendresse, on va dire presque quasiment. Hein. Il avait quelque chose quand il était jeune, il a un grand style, Rebellin. Je trouve que c'est un très beau coureur,
Alors ça joue aussi, ça. Et alors ça, c'est des choses qui sont subjectives. Le style rébellé. Quand il était jeune professionnel, on l'appelait l'enfant de cœur et Chierichetto, on l'appelait. Chierichetto significa quello che va a servire i ragazzini che vanno a servire alla messa, durante la messa. Però non ho mai fatto questo, questo in vita mia. Era un po'... mi chiamavo così perché il mio modo di... molto riservato, chiuso e anche, sì, praticante, perché comunque andavo spesso a messa e praticavo. Dio mi aiuta in tutto e cerco di onorare il meglio il Dio che c'è in me, si può dire, ecco, possiamo dirlo così. La posso prendere anche come una missione, tra virgolette, si può dire, il fatto di correre, di mandare anche questo messaggio che sei lì ancora a questa età per dire alla gente, guardate, che potete, se si vuole, si può tutto nella vita, basta credere in se stessi, credere nel proprio potere, credere nei propri mezzi e avere amore per quello che si fa e secondo me si possono raggiungere risultati impensabili dalla gente comune, ecco. E potrebbe essere anche un messaggio, anche questo, che lo sto vivendo io e che mi dà sempre comunque delle belle... un qualcosa di bello, un qualcosa da, anche da trasmettere alla gente. Moi, je garde le souvenir d'un garçon attachant, timide, bon coureur, méticuleux, taiseux, qui avait besoin d'avoir de la confiance. Moi, je ne suis pas surpris de la longévité de sa carrière. Parce que c'est quelqu'un qui prenait soin de lui, qui faisait attention à tout, donc quelque part un peu économe en tout, donc ça permet de durer. Dans une classe, tu le mets au premier rang, quoi. Il n'est pas, au fond de la classe le long du radiateur. Hein. Bon élève, cartable bien rangé, tout en ordre. Il a été dit qu'il était sacristain. Il était peut-être enfant de cœur, mais on ne pouvait pas lui donner, finalement, la sortie, on n'aurait pas pu lui donner le bon Dieu sans confession, tu vois. Ben, c'est difficile de savoir. Il se retrouve dans une mauvaise période, on la connaît. Il est professionnel dans les mauvaises années, conjointement à l'apparition de l'EPO dans les pelotons. Vu son histoire avec le dopage, il se retrouve dans une équipe Liquigaz, soupçonnée de masquer un trafic, on le voit en vidéo, il est surpris dans le cabinet d'un médecin véreux qui s'occupait de la Liquigaz, il y a un procès. Et après, il est qualifié pour sélectionner pour les Jeux de Pékin. Et là, à Pékin, il est pris pour dopage à la Serra, c'est le PO de troisième génération. Lui, il maintient qu'il s'était pas dopé, etc. Et on le saura six ans plus tard qu'effectivement, il y avait peut-être une erreur de procédure, il y a une éprouvette sur les sept éprouvettes qui est positive. Voilà, alors il s'en sort toujours avec sorte le bénéfice du doute, mais je ne sais pas si c'est un bénéfice. Sur le fond, je ne sais même plus si après il s'est préoccupé de... Il m'a dit une fois qu'il courait parce qu'il ne pouvait pas... Son expression qui est très simple, il m'a dit « je ne pouvais pas laisser tout ça là ». C'est-à-dire ça comme ça, il court un peu, il cherche une absolution, il cherche à se recréditer et il pense que sa longévité, sur le fond, va parler pour lui. Il y a un peu de ça sur le fond. Il va dire, si j'arrive à me prolonger dans ce métier et que je ne suis plus jamais dopé et que j'arrive, par exemple, à gagner la Coppa Agostini à 43 ans comme il l'a fait ou les Trois Vallées Varésine à 40 ans, ou même, alors ça veut dire quelque chose, alors ça veut dire que je suis un coureur authentique et peut-être les gens vont commencer à le comprendre. Bah, c'est une longue course haletante, épuisante en vérité. Questo episodio delle Olimpiadi mi ha segnato, diciamo, la mia carriera. L'importante è che sia io a posto con la mia coscienza io e questo, ecco, soprattutto.
è vero che comunque ho avuto questa sospensione che non è stato solo di 2 anni, ma sono stati anche 6, 7 anni, perché comunque quando ho ripreso ho dovuto riprendere da piccole squadre. Ho avuto sì, la CCC che ha avuto fiducia in me, che è ora divenuta una grandissima squadra, però ho avuto porte chiuse un po' dappertutto, ecco, dopo questo episodio, quindi è come se fosse stata una squalifica ancora durata ancora più anni, ecco. Je pense qu'il est né, il est né 15 ans trop tôt. Il aurait peut-être fait une autre carrière encore dans une autre dimension s'il était né 15 ans plus tard. Mais bon, voilà, c'est la vie. Il a eu la malchance de vivre une mauvaise période, je pense. C'est un rêve qui passe, Rebelline. On y met ce qu'on veut dans Rebelline. Il est là et il offre. C'est comme s'il offre sa silhouette ou sa figure au fantasme des gens. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont adorer Rebelline pour l'image qu'il a dégagée, et puis d'autres qui vont dire ce personnage est pathétique, qu'est-ce qu'il fait encore là? C'est pas très important. C'est un être à part. Hein, voilà. Ringrazio anche questo che mi è successo, perché tutto accade per mio meglio, penso così, quindi è accaduto anche per migliorarmi come persona, per essere più uomo anche, soprattutto, non solo dedicato, prima ero molto ancora più dedicato alla bici, c'era solo la bici. Però non esiste solo la bici, ci sono tante altre cose, c'è soprattutto l'uomo da fare uscire, ecco, con le sue emozioni, con le sue decisioni, e il fatto di reagire, cose che prima era molto soppresso. E questa cosa mi ha aiutato ad aprirmi di più anche su questo, ecco. E quindi penso che tutto cade per il mio massimo bene, per il mio meglio, e quindi c'è sempre da ringraziare la vita anche per questo, ecco. E penso che Dario Rebellin lo fermo io stesso, perché vorrei essere io personalmente a decidere quando smettere, ecco. Non imposto dagli altri o altre situazioni, ma di pedalare spero di poterlo fare a vita, ecco. Penso sempre come finirla in una classica, e anche ovviamente magari in una squadra dove ti permetta di fare questo tipo di calendario è un posto più dignitoso, diciamo. Osa qualcosa di degno. Osare qualcosa di degno significa tirare fuori tutto il meglio che sia dentro, esprimerlo, perché dentro abbiamo un potenziale meraviglioso. Ognuno di noi ha un potenziale grandissimo, basta crederci e osare esprimere questo valore che sia dentro, che può fare anche miracoli, può fare cose bellissime.